Chers amis téléspectateurs fidèles à A2i TV, NSUP Media TV, bonjour et nous voilà au lendemain des élections de la Miss Sénégal Nouvelle Vision 2020. Enfin, nous l'avons notre Miss nationale, à savoir Miss Fatick. Alors cette fois-ci, je m'en vais interviewer Madame Amina Badiane, qui est présidente du comité d'organisation de Miss Sénégal Nouvelle Vision depuis 2016. Madame Amina, bonjour. Bonjour A2i, bonjour. Alors, Madame Amina, vous êtes immigrée aujourd'hui, je peux dire. Et maintenant, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à déjà quitter l'Italie pour venir au Sénégal et investir dans ce monde qui est la mode? Parce que je suis très patriote et je crois au Sénégal. Je sais qu'au Sénégal, les gens peuvent réussir et il y a des gens qui réussissent. Donc, je me suis dit, pourquoi pas de ne pas rentrer et essayer et tenter ma chance. Je suis venue, j'ai investi, j'ai racheté les droits d'organisation à Moïse Ambroise Gomis. Et là, on est en 4e édition. D'accord. Mais avant votre venue au Sénégal, avez-vous déjà mené quelques actions pour favoriser la destination Sénégal? Oui, bien sûr. J'ai toujours participé aux salons internationaux. J'ai toujours représenté le Sénégal dans de nombreuses rencontres internationales. Étant ex-miss internationale, étant aussi ex-mannequin international. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes présidente du comité d'organisation de Miss Sénégal Nouvelle Vision depuis 2016. Maintenant, cette année, comment trouvez-vous l'organisation? Bon, je trouve qu'il y a des évolutions. Parce que Miss Sénégal était complètement disparue. On a resté pendant des années, ça n'existait même plus. Donc je suis venue, j'ai relancé l'événement et la dimension est devenue très grande. Parce que vous voyez, on a fait la grande finale récemment, samedi passé, et on avait un beau public. Il y avait des délégations venant un peu de partout, comme vous l'avez vu. On a reçu Miss World Afrique, on a reçu Miss Burkina, Miss Togo et les Miss Diaspora. Et c'est important la diaspora parce que diaspora c'est la 15e région du Sénégal. Donc je pense que Miss Sénégal a changé de visage. Alors Madame Amina, pour plus entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez été confrontée à des moments de difficulté? Bien sûr. Parce que l'événement, tout le monde sait que l'événementiel n'est pas facile. Et il y a des coûts colossaux, c'est coûteux pour faire le tour des 14 régions du Sénégal. Donc j'ai investi au début avec mes propres moyens, mais aussi petit à petit, j'espère que l'État va nous soutenir. Parce que c'est un patrimoine national de ce pays-là. Mais le Sénégal, ce n'est pas un projet personnel, c'est un projet pour tout le Sénégal. Donc, tout le monde doit y participer et je pense que ça ira. D'accord. Alors, nous avons remarqué que depuis le concours, les personnes qui étaient présentes disaient à chaque fois qu'il y avait de l'amélioration sur le côté de l'organisation. Donc, quels sont les moyens que vous avez mis en place pour un peu innover? Oui, parce que grâce à une équipe dynamique, parce que vraiment, j'ai une équipe exceptionnelle qui vient et il y a même certains qui travaillent même bénévolement. Donc, je pense que vraiment, il nous manque tout simplement un soutien de l'État, du ministère du Tourisme, surtout parce que qui dit Miss Sénégal dit aussi la promotion de la destination sénégalaise. Voilà. D'accord. Alors, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, je veux dire, qui est dominé par l'Internet, les réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des réactions qui se font sur la Miss Sénégal. Donc, comment percevez-vous ces réactions aujourd'hui? Ben, c'est tout à fait normal. L'élection Miss va avec les polémiques. Parce que s'il n'y a pas de polémique, cela veut dire qu'il n'y a pas de réussite. C'est ce que je peux dire. Et là, je crois que la beauté aussi est relative. Parce que je peux être belle pour vous et de ne pas être belle pour quelqu'un d'autre. Donc, je crois que ce n'est pas seulement la beauté, mais aussi derrière la beauté, on a aussi d'autres critères qui sont importants et qu'on insiste trop sur le comportement des filles. Parce que l'éducation, c'est important pour nous. Parce que la Miss doit vivre avec la présidente pendant une année et avec ses tournées, avec ses sorties. Et donc, la Miss doit être correcte. Et là aussi, il y a une note sur ça. D'accord. Mm-hmm.
Alors, mais aujourd'hui, certes, c'est vrai, c'est important ce que vous avez dit, mais surtout sur les réseaux sociaux, on note que les gens disent la Miss, une Miss qui doit représenter une nation doit être présentable. Donc, qu'avez-vous à dire face à cela? Oui, une Miss doit être présentable, cela veut dire doit être belle. Mais aussi, la Miss doit avoir la tête sur les épaules. Et ça, c'est important. Maintenant, il y avait aussi beaucoup de bruit par rapport à la couronne. Parce qu'apparemment, c'était la première fois qu'on voit une couronne de cette taille. Est-ce que c'est la couronne habituelle? La couronne aussi, il faut innover. Parce qu'aujourd'hui, on a un partenaire couronne qui nous a offert la couronne, donc je pense que c'est une belle couronne. En tout cas, moi j'ai aimé. Mais bon, on accepte toujours des critiques, comme on l'a accepté à la Miss. Donc c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il faut être fort, mais aussi vous savez, aujourd'hui, je peux dire que la Miss, elle est entre l'émotion et aussi, elle sort aussi du stress. Mais qu'avez-vous à lui dire principalement? Parce que j'aimerais me mettre à sa place, elle doit se sentir mal. Non, la Miss, elle est très posée, elle est consciente et elle ne fréquente pas les réseaux sociaux. C'est ça, c'est très positif. Donc, elle n'a pas de problème. Moi, je la trouve toute belle, naturelle et vraiment correcte. Et maintenant, est-ce que vous avez un mot à lui dire pour quelque peu la motiver? Oui, bon, je la conseille de concentrer sur ses études. Parce qu'avant tout, il y a les études qui viennent en premier lieu, parce que c'est important. Et aussi, se développer dans sa carrière. Par exemple, avoir des contrats et représenter aussi dignement le Sénégal à l'international. Et vendre aussi la destination sénégalaise et culturelle. Donc c'est ça, ses missions principales. Madame Amina, après ces élections, quelles sont les perspectives, sinon le suivi du concours? Mais là, on prépare à faire encore la tournée des Miss Diaspora. Mm-hmm. Et Miss Monde aussi sera toujours au mois de décembre. Mm-hmm. Et on compte aussi voyager et participer aux salons internationaux. Mm-hmm. Et aussi, je ne sais pas s'il y a des projets sociaux. Sûrement, la Miss doit avoir des projets sociaux. Donc on est là pour la population aussi. Alors, chers téléspectateurs, nous allons devoir clôturer l'émission. Mais avant ça, Madame Amina, est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, je demande aux Sénégalais de se taire d'abord. Oui, parce que être toujours dans les réseaux sociaux, faire des commentaires négatifs, ça, je pense que vaut mieux aller travailler. Donc, il faut qu'on se concentre au travail et au développement du pays et voir aussi l'émergence du pays. D'accord. Et maintenant, un dernier mot à l'égard des Sénégalais de la diaspora. Les Sénégalais de la diaspora, je leur demande de penser au retour au bercail, parce que c'est important. Le Sénégal est un pays développé et on peut réussir aussi à notre propre pays. Donc je les conseille de retourner et travailler et investir ici au Sénégal. Mm-hmm. Alors je pense que les mots ont été bien perçus par ces Sénégalais de la diaspora. Merci beaucoup à vous, Madame Amina, d'avoir accepté cette petite interview. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir fidèlement suivis à travers A2ITV, NSUPMEDIA TV. À bientôt.